la semaine prochaine, enfin non, pas la semaine prochaine, la semaine qui arrive même. On va finir Dark Souls 2 aussi. Parce qu'on est quasiment à la fin, il faut que je le finisse. Allez, trouve-moi des gens. Ah, pourquoi ça me fait ça? Ah, peut-être parce que j'étais moi, c'était moi le host en fait, je crois. Quel con. J'ai appuyé trop vite, j'aurais dû attendre. J'aurais dû lire en fait. Non, enfin c'est pas grave. Voilà. Il y en a qui ont bien farmé aussi. Personne qui veut. Eh. Oh non. Rentre dans le cercle, connard. Voilà. Comme ça qu'on fait rentrer les gens dans le cercle. C'est comme ça qu'on démarre les parties. C'est pas volontairement, on les force les gens. Non. Je sais pas pourquoi je prends de l'eau croupie, ça sert à rien. Enfin, je crois que ça, je crois pas que ça serve vraiment dans la bêta.
dirait les... quand il fait ça, ça rappelle les zombies de... je sais quoi, Dead Rising, je crois. Ceux qui ont les abeilles dans la tête, là. Comment j'arrive pas à attaquer en sautant? Comment on fait? Comment ça marche? Oh, ok, d'accord. Faut d'abord se mettre en... Ok, faut le faire quand on est en l'air. Ou alors si on se met au bord. Ah, il le fait automatiquement, ok. Ah, cool. Ok, sympa, c'est joli. On mettra les pièges à la deuxième vague. Ah merde! Il voulait pas sauter. Chier! Ah non! Oh merde. Ah, oh, la flèche. Mais ils sont bizarres, il ne reste que la mâchoire inférieure et le crâne qui est remplacé par un cristal rouge. C'est ça. On en saura plus... Enfin non, j'ai pas besoin de me soigner, on va faire ça.
On en saura plus dans le jeu, hein, dans l'histoire. On va aller placer nos pièges après et je crois qu'on va pouvoir invoquer... je dis invoquer à chaque fois mais c'est bizarre mais... Je crois qu'on va pouvoir invoquer Metal Gear. Si ça se passe bien. Donc on place nos pièges. Oh non, putain, attends, je suis pas prêt, bordel de merde. Oh non, ma tourelle, putain! Va te faire mettre, quoi, sérieux. Y'en a qui passe. Évidemment, il y a le chemin en dessous, putain de merde. Ah! Non, fais pas ça, mec. Oh. Ouh, ça, c'est cool. Bon, les trackers, ils sont relous. Oh yes! On va voir appeler Metal Gear après. Qui sont dans le périmètre. C'est ceux d'en dessous qui passent à chaque fois.
On a plus de 100 000 en réserve, c'est parfait. On va pouvoir invoquer notre petit Metal Gear. Non, mon petit Metal Ray. Pourquoi Metal Gear? Metal Gear Ray. Putain, je commence à dire n'importe quoi, ça y est. Faudrait que je change de barricade parce qu'il y a des fils barbelés en fait au-dessus et du coup je peux pas les traverser, enfin passer au-dessus. Que je suis. Okay. Arrête de me pousser, connard. Ah, on peut pas? Ah merde. Allez, venez. Ça c'est fait. On pourra peut-être en invoquer deux de Metal Gear. Pardon. Allez, Metal Gear.
Attends, j'arrive! Ah! C'est trop classe! Les mecs ils doivent rien comprendre. Ils doivent se dire, ah, putain, il y a un Metal Gear qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut attendre pour qu'on puisse le rappeler. Là, je suis sur PS4. J'ai utilisé mon truc ou pas? Non, évidemment que non. Metal Gear! Ah, on peut pas! Ouais, ça, on est gagné! Ouais, on peut le faire qu'une fois. Peut-être qu'une fois par vague, à la limite. Ouais, peut-être c'est qu'une fois par vague, je sais pas. En tout cas, il a l'air d'apparaître exactement à la même place à chaque fois. Il apparaît là-bas. Et il crache de l'eau sur tout le monde, en fait. Voilà, même sur moi. Je pense pas qu'on ait débloqué d'autres choses. Je pense qu'on a rien de nouveau. Ah, Mirador renforcé. Non, je les avais, ça. Je les avais déjà. Pouvoir faire quelques balles. Moi je voudrais une armée de geckos, ça serait top. Juste pour peut-être pas une armée mais genre 5-6 et c'est bon quoi. Geckos pour t'aider dans les vagues, c'est parfait.
Ou alors Metal Gear Rex. Ça, ça serait le top. Ça a l'air trop plus, ça serait un peu trop overkill en fait. Parce qu'il est tellement puissant ce truc. Genre avec son épée et tout. Laisse tomber quoi. Ça pèse quelque chose le carquois? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que ça pèse grand chose, enfin ça pèse un... qu'il y ait un poids sur les carquois, ça va. Ce qu'on pourrait faire aussi je crois c'est que on peut équiper un carquois même sans, sans l'arc. Et genre si on trouve des flèches par terre, genre tirées par un allié, je crois qu'on peut les récupérer et les foutre dans son carquois. À la limite si vraiment on veut, on veut être économe, on peut piquer les flèches des gens en fait. Je crois que ça marche, je crois. Je suis pas sûr. Faire quelques parties et après on va s'arrêter je pense. La semaine prochaine ça va être la fin de Dark Souls 2 et et après bah, je sais pas. Après en fait on va voir si, si on passe à Monster Hunter ou pas. Ça fait un peu chier que ça soit sur console avant le PC. Ce serait bien de l'invoquer sur cette map, Metal Gear Ray, comme ça on le verrait. On le verrait bien parce que c'est dégagé. Par contre, l'arc, je suis quand même assez déçu. Hein. Il est vraiment... Pour une défense comme ça, où c'est qu'il faut aller vite, c'est pas... Eh, c'est vraiment pas bien, quoi. Trop lent, pas assez de dégâts. Il n'y a que les flèches de feu qui sont un peu utiles, mais bon, ça dépend. Ça remplace une arme de mêlée, en plus. Ça remplace l'arme sur le dos, donc c'est les grosses armes. Cristal cuban.
Je pense que l'arc sera plus utile dans l'open world en fait. Où c'est qu'on a plus le temps de viser, de bien viser la tête, il y a moins d'ennemis. Et ça économise les munitions vu qu'on peut récupérer les flèches. Je pense qu'en open world il sera beaucoup plus avantageux. Ça c'est fait. Je pense que je vais rester avec les armes lourdes, moi, quand le jeu sortira. Grosses armes lourdes à la Monster Hunter. Pas attendre 3 ans non plus.
on arrive à la voir, ouais, on va. On va bien le voir là, le Metal Gear. C'est vrai que l'arc c'est de la merde. En tout cas pour ce mode là. Tu faisais quoi, Polo? Là, on a une équipe pas mal. Je pense qu'on va pouvoir l'invoquer. Parce qu'ils ont pas l'air de vouloir booster l'esclavateur. Donc, ça fait pas à chaque fois 5000 qui partent. On devrait être bon. On devrait avoir 100 000 d'ici la vague 2-3. En tout cas, j'espère. Oui, ça va. J'ai utilisé des barricades, non, en fait. C'est parti! Merde. Ah. Achat. Oh la vache.
va aller appeler Metal Gear. En espérant d'avoir 100. 100 000. Hey. Ah, 97. Allez, faites des kills les mecs. Ou alors on le sort, on le garde pour le prochain. Alors on va le garder pour le prochain tour. Pour la prochaine vague. Ah. Oh la vache. Les dégâts. Oh, pardon. Ah merde, je peux pas passer. Si c'est un autre Metal Gear qui apparaît, je vais être content. Genre si c'est le Rex, bon ça m'étonnerait, je pense qu'il n'y a que le Ray, mais ça serait bien. Ça serait vraiment top. Ça, c'est le hangar commun, en fait. Je viens de vous réaliser. Enlever ou déposer les objets. Statut des objets partagés avec lesquels vous avez inutilisé disparaissent à la fin de la mission. Donc, si on veut, on peut passer des objets aux gens. Je crois. Enfin, je crois. Déséquipé. Fais voir. Yeah! Ah, ça c'est bon, ça je savais pas. Cool. Donc on peut donner des objets aux gens. Message d'erreur, la cause n'est pas suffisamment désespérée pour justifier le déploiement d'un Metal Gear. J'ai peur de me faire virer du jeu en fait. Déjà, j'arrête pas d'y penser, je sais pas pourquoi. Bon, pourtant ça devrait pas, mais je sens le message d'erreur, genre connexion, erreur,
et on va pas le voir le Metal Gear. On va attendre un peu quand ça commence à... Quand il commence à avoir beaucoup de monde. Merde! Non. J'ai encore le réflexe de relâcher en fait quand je veux arrêter de balancer la grenade, mais en fait non, c'est l'inverse. Ce qui est bien avec mon arme, c'est que je peux facilement arrêter des blindés à moi tout seul. Oh oh. C'est l'heure de Metal Gear. Je pense que c'est l'heure de Metal Gear. Allez. Wouhou, la vache. Yeah. Yeah, ça pète. Ah merde! Oh la vache! Repli! Bon appétit, Epter. Ah, il est cool, hein, le Metal Gear. Ah, oh, la flèche. J'arrive pas, il y a trop de trucs qui me stoppent.
classe. Pour le follow à Jean Kiva, si je l'ai pas déjà dit. Et bienvenue. Rien de spécial. C'est pas mal avec mon arme de mêlée, je commence à bien la manier. Et j'ai besoin de moins en moins de pièges en fait. Genre avant j'utilisais beaucoup le grillage avec la lance, etc. Mais là ça va, ça passe. Ça passe sans rien en fait. Pas besoin de barricade, pas besoin de pièges. Il manque encore quelques armes de la bêta. Il manque la machette. La machette bleue. C'est la machette de combat, je crois. Et ben je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, il y a de l'équipement du. Des vêtements, genre des armures qui me manquent. J'ai vu d'autres armures en bleu. Mais bon, c'est pas très grave. Non, merde. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que là, il y a écrit par exemple lance. Là, il y a écrit lance choquante à droite, et il y a 4 carrés. Et je sais pas ce que c'est ces carrés. Genre là-bas. Donc peut-être ça, c'est des, je sais pas, des habilités qu'on peut rajouter à la lance, genre des add-ons, des trucs. Voilà, je sais pas, des options. Enfin, tout à 4 carrés... 4 carrés vides, apparemment. Enfin, non, 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 il y a que... Non, ça reste sur la pale du rotor. Ok, d'accord. Ouais, l'arme principale, peut-être qu'elle peut avoir des options, j'en sais rien. Bon, en tout cas, moi je vais m'arrêter là pour ce soir.
je vais m'arrêter là. Et bah, c'est la fin de la bêta, hein, du coup, parce que je crois qu'elle s'arrête demain matin, le 22, donc... Quoique peut-être, avec de la chance, on peut encore y jouer demain soir, on verra.